est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec Patrick, Mohamed, Pierre. Et le point cuisson de 20h qui ce soir n'a rien cuit du tout. Puisque Louis, vous n'avez rien fichu ce soir. Ah, vous n'avez rien pas cuisiné, du tout. Pas levé le petit doigt. Non, quand même, faut pas. Non, on est allé. Du coup, pour l'occasion, on est allé chercher une magnifique pâté en croûte qu'on va agrémenter justement avec un peu de fraîcheur, une petite salade et quelques pickles pour apporter un peu de vivacité et d'acidité et une petite marmelade de quetch. D'accord. De quelle occasion parlez-vous, Louis ? Bah, de cette spéciale pour Lyon. Ah, vous êtes au courant. Ah, bah oui, bien sûr. Vous êtes au courant, évidemment. Que voilà, l'émission ce soir est entièrement consacrée à Lyon. Mais du coup, vous allez avoir la réponse à ma question. Si je vous demande quels sont les points communs entre l'abbé Pierre, Louis Lépine, Karim Benzema, Paul Bocuse, Jean-Michel Jarre, les frères Lumière ou encore Bernard Pivot. À Lyon, non ? Ils sont tous naïfs. Voilà, naïfs. Ils sont tous natifs de la troisième ville de France ou de sa région, Lyon. Où on dit souvent qu'il y a trois fleuves, le Rhône, la Saône et le Beaujolais. On dit que le Beaujolais est un peu fripon, alors est-ce qu'il n'y a pas justement à cette origine-là, est-ce que ce n'est pas là que l'histoire d'amour entre Paris et le Beaujolais est née ? Fripon un peu peut-être parce que vous connaissez la formule latine du Beaujolais, c'est Bello Gaugensis, enfin il y a plusieurs versions, et cela veut dire, dans un latin approximatif, cela veut dire la bonne plaisanterie. Autrement dit, à un moment, le Beaujolais voulait dire la terre de la bonne plaisanterie. Et je crois que les Parisiens sont très sensibles à retrouver dans le Beaujolais cette plaisanterie, cette bonne humeur, cette joie, cette alacrité, cette joie de vivre. Alacrité. En sept lettres, enjouement, gaieté, débordante, énergie, vitalité, pour définir l'ancienne capitale des Gaules, de la soie et de l'imprimerie, de la gastronomie aussi, qui fait évidemment la fierté de ses habitants. S'il y avait un plat à goûter à Lyon, ce serait quoi ? C'est dur d'en choisir un seul. Ah bah moi j'aime bien la quenelle de brochet, sauce Nantua. Les quenelles lyonnaises. La tarte à la praline. Bah les quenelles. Le saucisson de Lyon. Et les pralines aussi. En douillette. Les quenelles, c'est ce que je préfère. Spécial quenelle, mâchon, humour et cinéma lyonnais ce soir avec nos invités Laurent Gérard, sa compagne, l'écrivaine Christelle Bardet et Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, mais surtout le directeur de l'Institut Lumière à Lyon. Salut les bonjour. Bonsoir, messieurs les Lyonnais. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir tous les trois autour de cette spéciale Lyon. Une drôle d'idée comme de parler de Lyon pendant 50 minutes, Laurent. Comment ça nous est venu, cette histoire ? Je sais pas. Autour d'une table, non ? Autour d'une table. C'est ce qu'on fait à Lyon, généralement. Exactement. Autour d'une table, avec l'envie de parler de Lyon, mais aussi de sa gastronomie que vous défendez. On va recevoir tout à l'heure Jérôme Bocuse, le fils de Paul Bocuse, bien Absolument. Sûr, avec lequel vous reprenez un restaurant que vous avez littéralement sauvé de la disparition. Oui, plusieurs, oui. Et vous êtes à la tête de combien de restaurants ? Là, pour l'instant, pour 4. Ah, parce que ça va continuer ? Ah oui, oui, ça va continuer. C'est un empire. Non, c'est pas un empire, mais on va tout faire pour mettre à l'honneur la gastronomie lyonnaise et sauver ces belles institutions qui sont notamment les Rangs de Lyon, le Champ de Clair, Pléthore et Balthazar. Et puis on a même, comme Lyon est la deuxième ville renaissance après Venise, on a même une pizzeria à côté. En fait, j'ai accueilli trois Lyonnais. La seule vraie Lyonnaise, c'est vous, Christelle. Absolument. C'est vrai. Grand-père Canu. Oui. Fille d'imprimeur. Et née à la Croix-Rousse, et notre fille est née à la Croix-Rousse aussi, donc on reste dans la lignée. Votre fille est née à la Croix-Rousse, oui. Et c'est à la Croix-Rousse que vous avez rencontré Laurent ? Pas tout à fait, c'est juste à côté. Lyon, vous n'y êtes pas née, mais... Je suis à Bourg-en-Bresse, ouais. mais j'ai fait mes études de cinéma à Lyon. C'est ce qui vous réunit aussi, tous les trois, l'amour du cinéma et de la gastronomie. Et de la gastronomie, exactement. Lyon, c'est la vraie ville des Lumières, c'est pas Paris en fait. Ah bah oui. Expliquez-nous pour pourquoi. Votre public, il est plutôt parisien ou est-ce qu'on va faire des ennemis ? Non, il est partout. Il est partout. Expliquez-nous pourquoi. Historiquement, c'est la ville des Lumières sans S, puisque c'est la ville des frères Lumière. Mais c'est aussi la ville des Lumières sur le plan intellectuel, sur le plan historique. C'est une ville savante. Elle est d'ailleurs jumelée avec Bologne en Italie, qu'on appelle Bologne la savante. Et on pourrait dire ça de Lyon.
toujours. Et puis c'est la ville des Lumières, de Louis Lumière, d'Auguste Lumière et du cinématographe. Parce qu'on dit souvent, ils ont inventé le cinématographe comme ça. Ça évite que les Américains disent, parce qu'eux prétendent l'avoir inventé, le cinéma. Avec Edison. Avec Edison. Et nous, on répond qu'il y a beaucoup d'inventeurs avant Lumière, dont Edison et dont beaucoup de gens. Il n'y a pas d'inventeur après, car une fois qu'ils l'ont fait, c'était fait. Et pourquoi c'est plus la ville des Lumières que Paris ? Bah, on est un peu chauvin. Moi, je suis pas parisien. On a toujours un petit pincement. On est rhône-alpin, on va dire aussi. Ouais. La vraie lyonnaise, c'est vrai que c'est Christelle. Et en plus, qui descend d'une famille où on disait les canuts, donc c'était les soyeux. Et, les ouvriers de la soie. Les ouvriers de la soie. Mais après, quand ils avaient bien travaillé le matin, il fallait qu'ils fassent le machon. Donc Thierry Frémaux organise aussi des machons pendant le Festival Lumière. Donc vous savez, tout se recoupe. Non, c'est une ville qui a été déjà, il faut le savoir, elle a été bien, bien éclairée. C'était une ville qui était assez sombre et puis elle a été très bien éclairée. Et c'est une ville qui est très, très agréable. Je me demandais s'il y avait moins d'embouteillages à Lyon qu'à Paris parce que... Ça va venir. On sait à quel point vous aimez les voies sur berge parisiennes, oui. La piétonnisation de la capitale. On sait à quel point vous appréciez tout ça. Les incivilités à trottinette. Exactement. Pour vous, une image de 1971 avec une Lyonnaise qui doit être de la famille Gérard. Tellement elle est ravie de la piétonnisation expérimentale du quartier de l'Université. Interdit aux voitures jusqu'à 20h, rues et étalages du quartier de l'Université font fête depuis ce matin aux piétons. Pour ou contre une journée comme celle-ci ? C'est bien. Très bien. Très bien. On peut se permettre de circuler très facilement. Surtout pour les enfants, certainement pour les enfants. Toutes les rues sont bouchées, on peut pas du tout garer, on peut pas passer, il faut faire un tour énorme, alors on s'en va. On revient pas. Vous êtes là aujourd'hui ? Oui, parce que moi je tenais absolument à venir aujourd'hui, mes enfants vont en classe, mais vraiment j'ai fait un effort. Puis j'ai râlé en arrivant. Voilà. C'est bien lyonnais, j'ai râlé en arrivant. Exactement. Avec cette espèce d'accent, vous pourriez nous le définir, l'accent lyonnais ? Bah, il est un peu aussi, pardon hein, Thierry, mais il est un peu stéphanois, il est un peu savoyard. Enfin, c'est, et puis il y a des expressions lyonnaises, il y a des expressions qui appartiennent à Lyon. Comme moi, je défends aussi les patois, j'adore ça. C'est quoi un bambane ? Un bambane ? Ah, vous connaissez c'est un gamin, non ? Non, c'est un homme lent et paresseux. Ah ouais ? Ah bah voilà, un bambin. Ah bah oui, non, mais attendez. Une gâche. C'est une place. Gâche, oui. La place. C'est une place. Voilà, un ganet. Oui. Alors, ganet, c'est un idiot. Ah ouais. Un ganet. Le machon, on a dit, les gratons. Les gratons, ah c'est, oui. Ça se mange. Ça se mange. C'est de la graisse de porc. Ça se mange, et Tarantino. C'est très bon. Ah non, mais je sais. Mais comme ça, sur le papier, on se dit ouh. Ils mettent des Y de partout. Ouais. On y dit, on y fait. On y dit, on y fait, par exemple. Cette émission. Donne-y-moi. Cette émission sur Lyon. On a dit, on y dit, on y fait. On y dit, on y fait. Confirmation avec des Lyonnais. Les carottes rouges, ce sont des betteraves. Voilà, ça c'est typiquement lyonnais. Le pot du Gone, ça revient souvent. Le pot du Gone, c'est une bouteille particulière lyonnaise de vin rouge. Je pense que les Gone, ça va bien. C'est pour exprimer justement la jeunesse lyonnaise. C'est une façon de rajouter un Y. Eh bien, au lieu de dire je l'ai fait, on va dire j'y ai fait. Voilà, confirmation. Ouais, on vous ment pas. Hein. Vous y mentez pas. On y ment pas. On y dit, on y fait, c'est l'œil de Pierre. Oh. Comme ça, sans transition. Ouais. Pas forcément lyonnais. Pas lyonnais. OPEX, O-P-E-X, c'est un quartier calme, non pas lyonnais, mais à Ostende, à l'est d'Ostende, le port belge mythique. Quand le chanteur Arnaud est né, OPEX résonnait des bruits des chantiers navals et les quais de pêcherie. Mais je sais que vous aimez Arnaud, tous les trois, et que vous aimez la chanson. OPEX, c'est le nom de l'album qui sort aujourd'hui. Et qu'Arnaud a voulu, de toute son âme, enregistrer lorsqu'au début de cette année, un médecin lui a dit que son cancer du pancréas, soigné depuis 2 ans, ne lui laisserait sans doute que 3-4 mois à vivre. Alors avec tous ses complices de toujours, il a enregistré à raison de 2 séances par semaine, et il est parti, le 23 avril, à 72 ans. Il a eu le temps aussi de quelques concerts bouleversants à l'ancienne Belgique et aussi au casino de Ostende, lui qui disait « Tout commence et tout finit avec le blues ». Watch out, shrinking people. Little rooster is on the bow. Comme tout au long de sa vie, Arnaud revivait en studio, c'était sa manière de survivre
à la maladie. Et forcément, son souffle diminué, vous venez de l'entendre un peu, donne des accents inoubliables aux 10 titres de l'album OPEX. Il reprend une des plus grandes chansons du Presley des débuts, One Night With You, le titre qui avait ouvert à Arnaud les portes du rock'n'roll. One night with you. It's for the now. Praying for. Il a toujours alterné un peu d'anglais, un peu de flamand et beaucoup de français depuis que la France l'avait adopté et lui avait même décerné une victoire pour son album French Bazaar. À la fois punk et nostalgique, poète et grivois, formidable interprète, il a vécu de la musique, maîtrisé pas mal de démons et puis il nous a touché le cœur. Après la scène, je vais être vidé, tout, la merde va sortir de mon corps. Putain, putain, c'est vachement bien. Écoute, c'est mon thérapie. Donc il y a des gens qui font du sport, et puis moi je fais de la scène. Et en plus je suis payé pour ça. C'est formidable. Nous sommes comme tous les Européens. Il n'y a que lui dans cet album pour chanter son grand-père, dont il raconte qu'il l'emmenait dans les fêtes foraines pour l'apprendre à séduire les femmes. Il y parle d'une femme dont la beauté du corps peut faire des tremblements de terre partout dans le monde, et le refrain dit... Je pense que j'ai rencontré la fille de la maîtresse de mon grand-père. J'adore Arnaud. Et puis il y a un titre au rythme, comme disent nos confrères du Monde, au rythme de reggae fête foraine. Attention, il a réalisé un vœu ancien, un duo avec Mireille Mathieu sur son fameux La Paloma Adieu. N'oublie pas, je t'aime. C'est formidable. Le printemps. Le manager d'Arnaud a apporté l'enregistrement et la voix à Mireille Mathieu, qui a enregistré sa partie à elle à Avignon. On était le 23 avril. À la fin de l'enregistrement, elle a appris la mort d'Arnaud. Alors je vous propose, les amis, d'abord de vous procurer OPEX, mais je vous en offre un avec Merci. Plaisir. Et puis, je vous propose simplement de nous quitter sur ces quelques mots, ces quelques notes de l'interprétation absolue par Arnaud de cette belle chanson de Brel. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. Mais pas d'odeur, vous m'entendez. Bien sûr, vous marchez sur les fleurs. C'est sublime. On continue à parler de Lyon, de gastronomie, de cinéma, d'humour, mais aussi de gala qui se tiendra à Lyon dans pas longtemps avec nos invités. Mais tout de suite, c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. Il est un peu plus de 21h heure française hier, lorsque l'ouragan Yann touche les États-Unis par le sud-ouest de la Floride. Vu depuis l'espace, l'ouragan de catégorie 4 sur 5 emporte tout sur son passage. Des vagues de près de 4 mètres de hauteur déferlent sur les côtes. Les rafales de vent frôlent les 250 km par heure. Ce journaliste américain tente un direct particulièrement risqué. Vous savez quoi, le mieux, c'est que je revienne par ici. Les arbres ne résistent pas non plus. Un vent si fort qu'il cloue les oiseaux au sol. Si la Floride est connue pour ses alligators et ses crocodiles, elle l'est moins pour ses requins en pleine rue. D'ici à 2050, le changement climatique devrait en effet doubler le nombre de ces ouragans, d'une intensité de moins en moins rare.
Alors que le vent souffle comme jamais, il faut croire que ce monsieur tenait absolument à dire au monde entier son hostilité au président américain. I want to thank all of you here for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. Le président américain s'adresse à Jackie Walorski, une élue républicaine décédée début août dans un accident de voiture. Une perte de mémoire qui interroge, alors que la Maison-Blanche avait publié un communiqué après sa mort, dans lequel Joe Biden se disait choqué et attristé. Je trouve ça extrêmement gênant. Même la gênance, elle trouve ça gênant. La bataille des retraites, c'est parti. Des manifestations ont lieu aujourd'hui partout en France. Journée noire dans les transports, dans les écoles. On vous dira tout. Alors faudra-t-il désormais travailler jusqu'à 65 ans ? Est-ce que c'est pas fatigant, Philippe Martinez, de jouer et de rejouer toujours la même pièce, en l'occurrence cette énième réforme des retraites ? Parler de la politique du gouvernement et du président de la République, là. Partout en France, un même mot d'ordre dans les manifestations. Augmenter les salaires, pas l'âge de départ à la retraite. Emmanuel Macron le fait savoir par ses proches depuis ce matin en cas de censure de l'opposition sur la réforme des retraites. Il dissoudra l'Assemblée nationale. Mais à quel moment on est ? Dans quel monde ? C'est vraiment une dinguerie. Dès l'année prochaine, la moitié des Espagnols va voir ses impôts baisser. Tous ceux qui touchent moins de 21 000 euros par an sont concernés. Afin de financer la mesure, un impôt sur la fortune de 2 ans a été mis en place pour ceux qui possèdent plus de 3 millions d'euros. Pour que les prix baissent, nous allons déployer un bouclier fiscal qui aidera les retraités, les familles, les métiers et l'industrie à faire face à la hausse des prix. Ce dispositif sera financé par un nouveau fonds de stabilisation de 200 milliards d'euros. Quelle belle ville Nantes! Je suis sur les châteaux des Ducs de Bretagne. C'est sublissime! Voilà, c'est un des lieux où la drogue s'échange. Elle s'échange en plein jour avec des gens qui sont là. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont là depuis de longues minutes. Il est clair qu'ils n'attendent ni le métro, ni le bus. Il y a un défaut d'exercice de l'autorité. Bah, écoutez, regardez tous les jours. Regardez ce qui se passe à Nantes. Nantes qui est en train de devenir quasiment le symbole, en effet, de l'insécurité dans ce pays. C'est vrai que c'est craignos, ce centre-ville de Nantes. Là. Ça devient un point... la police est nulle part la nuit. Elle est là la journée, elle se balade. Mais la nuit, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est soit il va y avoir une milice qui va se créer. Mais bon, c'est pas la meilleure des choses. Des gens qui ont été dans des concerts, qui n'ont rien demandé à personne, qui se sont fait canarder comme des chiens, des terroristes qui font des trucs comme ça, des Nordal Le Landais, des Jonathan Daval qui crame sa femme dans la forêt, qui lui met des baskets aux pieds pour faire croire qu'elle a été courir. Moi, je te le dis, je le tue, le mec, j'en ai rien à foutre. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Pourquoi les mecs qui tirent sur des mecs en terrasse, qui n'ont rien demandé, pourquoi je vais le nourrir moi en prison avec les impôts des Français ? Allez, ça dégage, ça peut choquer, c'est mon point de vue, peut-être ça se fait pas de parler comme ça. Le rappeur Coolio a rejoint le paradis des gangsters. Artist Leon Ivy Jr., son vrai nom a été retrouvé mort hier, il avait 59 ans. Dans les conditions actuelles, des conflits se dégradent et de nouvelles menaces apparaissent. Nous devons donc former un ordre du monde plus juste. Cela est lié au problème de l'hégémonie actuelle de l'Occident, qui est en train de s'effondrer. Ce qui est en cause, ce n'est pas simplement la défense des Ukrainiens, c'est notre propre liberté. Ce n'est pas simplement celle des Estoniens et des Finlandais qui sont tout près, c'est notre propre conception de la démocratie. Est-ce que, au terme de ce qui va être un conflit sans doute long, est-ce que c'est la démocratie qui gagnera ou pas ? Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous sauver, viens défendre notre terre, elle est en danger.
C'est à l'Accessoire, un café-théâtre à Lyon, que Laurent Gérard est monté pour la première fois sur scène en rêvant de remplir un jour les 1000 et quelques places du prestigieux Théâtre des Célestins. C'est l'équivalent de la Comédie Française ou du Théâtre de l'Odéon, en tout cas pour l'histoire à Paris. Là où il a lui-même, avant d'être connu, reconnu, applaudi les plus grands, Déambulation et Souvenirs lyonnais, suivez les guides. Nous avons donc ce qu'on appelle l'éléphant sur le dos, la basilique Fourvière, la colline qui prie et la colline qui travaille, c'était la Croix-Rousse. Il y avait un podium qui était ici. Et voilà, j'ai fait un sketch un jour en 89. Et c'était le premier spectacle de votre carrière ? Un des premiers, ouais. Et qu'est-ce que vous vous dites quand vous montez sur scène ? Vous vous souvenez de ce moment ? Ben, j'avais la trouille, j'étais allé acheter une veste à côté. J'ai appuyé la colle roulée parce que j'avais peur pour ma voix. Et puis voilà. Quand j'ai commencé à Lyon, dans un petit café-théâtre, ma marraine étant Mick Michel, qui était auteur, compositeur, interprète, qui a écrit « Le gamin de Paris », elle me présente Jean-Paul Lucet, qui était à l'époque directeur de ce théâtre. Jean-Paul Lucet avait dit « Peut-être que vous passerez là. » Et je suis passé là. C'était un petit peu la bourgeoisie lyonnaise, un peu pincée, donc avec les horreurs que je disais, ça partait. Vous savez, les sièges de théâtre, c'est « poum ». Donc quand ça partait un petit peu. Je me souviens, je faisais le pape, genre en disant des choses sur le pape, quoi. Alors que c'est quand même très catho, Lyon. Est-ce que vous avez... Il y a un texte que vous aimeriez jouer ici ? Céline ou Cyrano de Bergerac. La tirade d'Ainé. C'est tellement haut. Cyrano de Bergerac. Non, parce que j'avais vu Fabrice pratiquement à ses débuts, puisqu'il lisait l'arrivée à New York de Louis-Ferdinand Céline, de Voyage au bout de la nuit. Et je l'avais vu un après-midi ici, et puis j'avais dû voir aussi Cyrano de Bergerac, mais ça c'est sûr. Donc. Voilà, c'est un théâtre mythique. Pendant le Festival Lumière, je sais que Thierry organise des masterclass, puisqu'il y a eu Coppola. Tim Burton. Ça sera Tim Burton cette année. Et c'est toujours agréable de voir qu'on a dans notre patrimoine des lieux aussi beaux. Mais jouer à domicile, ça fait quoi quand vous jouez au Théâtre des Célestins ? Promesse que vous avez faite d'ailleurs... Jean-Paul Lucet. Oui, oui. Et qu'il a tenu. Il a tenu, et après j'ai voulu, quand j'ai fêté mes 50 ans, j'ai voulu repasser dans toutes les salles que j'avais faites, à la fois à Paris et à Lyon. Donc l'Accessoire, vous y êtes retourné ? Ouais, mais non, c'était trop dur. Et là, on ne pouvait pas. C'était vraiment trop petit. C'était trop petit. Il y a combien de places à l'Accessoire ? Enfin, il doit y avoir, je ne sais pas, une cinquantaine. Donc ah ouais. On ne pouvait pas faire rentrer de musiciens, rien. Donc, pas ça. Mais les Célestins, on avait réussi à avoir un soir en dehors de la programmation. Ça fait quoi de jouer à domicile ? C'est toujours un moment particulier. C'est émouvant. Puis il y a les après-spectacles. Ce qu'on... Ah oui, c'est ça surtout qui est, c'est émouvant. Et Thierry est là à chaque fois ? À chaque fois. Oui, souvent. Christelle, c'est au Théâtre des Célestins que se tiendra ce grand gala pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer. On se souvient de ce livre publié en 2019, Quand maman plantait des brosses à dents, puisque c'est une maladie qui l'a touchée. Et c'est une maladie qui va toucher de plus en plus de Français, donc c'est important de se mobiliser. C'est important de se mobiliser, surtout que depuis qu'on s'est vu il y a un peu plus de 3 ans, on a toujours 0 traitement contre la maladie d'Alzheimer. On guérit d'un cancer sur 2, mais on ne guérit pas de la maladie d'Alzheimer. Alors on a quelques avancées timides et quelques bonnes nouvelles, mais voilà, dont les résultats sont encore modestes, même si l'espoir est là. En tout cas, on a besoin aujourd'hui de fonds pour cette recherche et pour mettre Alzheimer KO. C'est pour ça qu'on a mobilisé les forces vives lyonnaises. Donc dans Thierry et Laurent. Thierry et Laurent. Laurent déjà parce que s'il voulait dormir tranquille, il était obligé. Et puis Thierry évidemment parce que ça se justifiait pleinement, parce qu'il connaît parfaitement cet écrin et ils vont partager la scène avec Carla Bruni, Jeanne Chéral, Guillaume Gallienne, la danseuse étoile Agnès Le Testu aussi qui viendra faire un numéro. Et ce sera un spectacle autour de la mémoire autour et des de la souvenirs. Mémoire. On leur laisse carte blanche et on voulait dans ce merveilleux écrin qui est ce théâtre à l'italienne des Célestins, proposer un spectacle exceptionnel. Voilà, on a ouvert notre carnet d'adresses pour faire venir les amis. La programmation est en cours. Voilà, mais le 14 novembre, on fait cette soirée exceptionnelle pour lever des fonds et partager un moment tous ensemble en toute amitié. On n'a pas retrouvé la première télé de Laurent, sur...
une télé lyonnaise. Télé Lyon Métropole. Il a commencé Yves Calvi aussi, d'ailleurs, qu'on salue. Qu'on dit toujours qu'il est lyonnais, mais c'est vrai qu'il a commencé à Lyon. C'est juste parce qu'il a commencé à Lyon, mais c'est pas un vrai lyonnais. Pas un vrai lyonnais, Yves, mais c'est un vrai lyonnais de cœur. Mais la première, c'était Télé Lyon Métropole, ouais. C'était Casino des As, mais vous n'avez pas retrouvé, vous allez me demander, genre. En revanche, on a retrouvé une archive en 92. Vous participez au Festival des humoristes, c'est à Tournon. À Tournon-sur-Rhône. Mais alors, il faut se concentrer, parce que ça, c'est court. Mais il y a bien Laurent Gérard sur scène, on en est sûr. Pour la quatrième année consécutive, ils relèvent un défi. Ils ou elles disposent de 20 minutes pour faire rire et convaincre un jury qui, à la lecture des palmarès précédents, se trompe rarement. Salut Pierre. Reviens quand tu veux. C'est le plus grand. Et c'est mon ami. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, et je sais que vous m'êtes fidèle chaque dimanche, le principe de mon émission, c'est avant tout la variété. Et la variété de quelques domaines que cela soit. Bon, petit point fashion. Ouais, c'est bien, hein. je l'ai plus costard. Hein. En revanche, je peux vous dire quelque chose, c'est que cette année-là... En 92, Danny Boone avait eu le Grand Prix, Vincent Dubois des Baudins avait eu le prix du jury, et votre serviteur, le prix du public. Et c'est pas mal. Ouais, sacré beau millésime. Ils se sont pas trompés au festival d'humour de Tournon. C'était fou d'ailleurs quand on se retrouve avec Dany, on s'est retrouvé l'autre jour parce qu'il a présenté son film à Lyon, et on se retrouve avec Thierry parce que le film de Christian Carillon qui habite à Lyon aussi. Avec Lynn Renault. Qu'est-ce que c'est Lyon? Oui. Et Jacques Martin que vous imitez est lyonnais aussi. Exactement. Oui. Jacques, et voilà. Jacques m'avait accueilli sous son aile avec beaucoup de tendresse en disant mais tu es du Lyon. Parce que les voix lyonnaises, vous les imitez évidemment depuis les débuts, les maires de Lyon systématiquement, non? Michel Noir. Oui, Michel Noir, je faisais. Raymond Barre. Raymond Barre, oui. Évidemment, et Gérard Collomb. Gérard Collomb, oui. On a une tendresse pour Gérard Collomb, notamment cette imitation quand il quitte le ministère de l'Intérieur. L'intérieur, oui. Parce que Lyon lui manque beaucoup trop. Lyonnais. Oui, d'accord. Bonjour Gérard Collomb. Laissez-moi sortir de ce studio. Enfin Gérard Collomb, calmez-vous. Je veux partir, je veux rentrer à Lyon. Mais pourquoi êtes-vous si pressé? J'ai pas envie de manquer le machon de chez Georges. Oh non. Et celui de la meunière. Ah oui. Hein, les gratons et la cervelle de Canu n'attendent pas. Et puis le festival Lumière, les Lumières de Lyon, ça me changera du gouvernement. Où il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a une autre personnalité lyonnaise que vous imitez, c'est Bertrand Tavernier, on en parle dans un instant, auquel Thierry consacre un livre. Et il y a une personnalité qui adore quand vous imitez Bertrand Tavernier, c'est Vincent Lindon, qui vous le demande régulièrement. Ah mais... Ce décor exceptionnel rappelle la chevauchée des bannis d'André Dotton, qui est un western formidable, assez méconnu d'ailleurs, mais qui est sorti... Il y a Robert Ryan qui est dedans. Robert Ryan et Burl Ives. Burl Ives, qui a d'ailleurs, qui met une écharpe autour de sa tête et son chapeau au-dessus. Alors même sur les pistes de ski, vous n'êtes pas tranquille, il faut imiter Bertrand Tavernier. Quand Vincent me demande, je ne suis pas un phénomène de foire, hein, je ne suis pas un jukebox, mais Vincent, c'est un peu spécial déjà parce que c'est un ami et qu'il adore, ça le rend fou quand j'imite Bertrand Tavernier. Et à chaque fois, effectivement, il dit fais-moi Bertrand, je dis écoute, je ne vais pas te le refaire. Et je le fais parce que j'adore Vincent. Et Bertrand adorait que tu l'imites. Oui. Oui, c'est vrai. Il avait dit, ça c'est mon heure de gloire, il avait dit à Clint Eastwood, he imitate me. Et Clint Eastwood avait dit, ah, c'est génial. Je suis entendu. Évidemment, comment évoquer Lyon sans évoquer Bertrand Tavernier, qui a cherché la lumière de Lyon, même quand il tournait à Paris et à Glasgow. C'est ce qu'il racontait il y a presque 20 ans en évoquant sa ville et son métier. Je me revendique cinéaste lyonnais. Même quand je ne tourne pas à Lyon, je pense que j'essaye de mettre dans mes films des éléments lyonnais. Ils y sont d'ailleurs malgré moi. Le goût du secret, la recherche de certaines lumières. Je recherchais ça dans toutes les villes, que ce soit à Glasgow, que ce soit à Paris, où j'ai beaucoup de mal à les trouver. Il y a une sorte de pudeur du sentiment que je trouve en Angleterre et à Lyon. Hein, je trouve une sorte de...
C'est Béraud qui dit que, Henri Béraud, que Lyon est la ville des sentiments secrets et des amours fidèles. Je trouve que c'est une belle définition. La pudeur des sentiments, Christelle, c'est Lyon? Oui, aussi. On est plutôt des gens assez secrets. Vous êtes à la fois d'accord avec lui et un exemple vivant de pudeur, Thierry. Vous publiez un livre d'hommage et d'amitié à Bertrand Tavernier. Et avant même la première page, on bénéficie d'un des plus beaux titres de l'histoire de la littérature et de l'amitié, je trouve. « Si nous avions su que nous l'aimions tant, nous l'aurions aimé davantage ». Vous avez hésité à mettre un long titre comme ça, mais c'est trop beau. Non, oui, Olivier Nora, le patron de Grasset, m'a tout de suite dit, je lui ai dit, j'ai mis ça comme ça. Il dit, non, on garde, on prend ça comme titre. Alors, il faut rendre à César, c'est Frédéric Dard, qui, je crois, c'est lors de l'enlèvement de sa fille, quand il avait récupéré sa fille, qui avait dit, si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé encore plus. Il avait pu en profiter, lui, on ne peut plus en profiter de lui, mais plus les jours passent et plus on trouve, plus les mois passent, qu'on n'en a pas assez profité. En effet, on aurait aimé l'aimer encore plus. Et le jeune Thierry, il rencontre Bertrand Tavernier juste au début du Festival Lumière. Juste au début de l'Institut Lumière. De l'Institut Lumière. Oui, parce que je suis... Je me prétends journaliste de cinéma dans une radio libre. Radio Canu. Radio Canu. Fondée par votre père. Oui, Radio Canu, Radio Guignol. On était lyonnais, quoi. Et en fait, j'avais fait ça, mais aussi parce que je savais que Bertrand Tavernier était là. Et j'aimais ses films et je voulais m'approcher de lui. Et ce jour-là, je lui ai proposé, puisqu'il c'était une conférence de presse qui annonçait la création future de l'Institut Lumière, et je lui ai dit, on peut venir vous aider. Et il m'a dit, oui, on est tout seul. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, et on ne s'est pas quittés. Ouais. Et j'adore, il y a plein d'anecdotes drôles, comme Bertrand les adorait ou les vivait. Le jour où un type est venu lui demander un autographe, en lui disant, c'est vous qui avez réalisé Les Valseuses, il a répondu quoi? Il a signé Claude Chabrol. Et Chabrol faisait pareil. Il y avait un jeu entre eux, et Bertrand Blier aussi signait Bertrand Tavernier. Chabrol disait, on nous confond à cause de nos lunettes. Alors il y avait tout un truc comme ça, en cas des gens qui croient avoir rencontré. Le 19 mars 1895, Louis Lumière plantait la caméra qu'il avait inventée devant son usine de la rue Saint-Victor, qui est devenue aujourd'hui la rue du premier film, pour capter la sortie du personnel de cette usine. C'est une séquence de 45 secondes qui est devenue, pour l'histoire, le premier film de cinéma. On voit ces images. Chaque fois qu'on les revoit, on remarque des détails différents. Je ne sais pas si c'est... Oui, Thierry, j'imagine que vous avez dû les voir des milliers de fois. D'abord, cet homme avec son vélo, là, qui fait l'imbécile dans chacune des trois versions, parce qu'il y a trois versions. Et là, c'est la version de la voiture avec deux chevaux. Énorme super production pour l'époque. Ben oui. Et ouvrières, qui étaient les ouvrières et les ouvriers de l'usine Lumière, qui fabriquaient des plaques photographiques. Ouais. Et le gars qui fait l'imbécile à vélo, vous le jouez, vous l'incarnez chaque année. Oui. Bah si. Si, puisque chaque année, dans les reconstitutions, dans la façon dont vous invitez les cinéastes qui viennent au Festival Lumière à refaire une scène, la même, au même endroit, exactement au même endroit avec la plupart des invités du festival, vous êtes toujours le type à vélo, au milieu. En particulier dans une version de Tarantino. Alors, on va la voir. Ah bon, 2013, Tarantino. Il avait vu les films, il m'a dit, vas-y, fais-le. Alors, on reconnaît Dusselier à droite. Harvey Keitel. Harvey Keitel. François Fabian. Thierry Schatzberg. Et voilà. Christophe Lambert. L'imbécile à vélo. Oui. Enfin, le gars qui fait l'imbécile à vélo. On a vu passer Brasseur. Et Laurent va danser. Et Laurent Gérard qui fait... Ouais, voilà. C'est ça, oui. Avec Claude Brasseur. Avec Claude. Voilà. Et Tarantino qui passe. Et ça, vous le faites aussi tous les ans, Christelle et Laurent, ça, le... Pratiquement. C'est comme le machon, c'est une tradition. C'est-à-dire que la littérature, la musique et la peinture, on ne sait pas où ça a été inventé. Le cinéma, on sait, c'est là.
Mmh. Et donc, on célèbre ça, puisque le décor qu'on voit au fond, là, c'est la vérité, tout ce qui reste des usines Lumière. Et c'est précisément Bertrand Tavernier qui a contribué à sauver ça. Oui, non, et quelques Lyonnais, les habitants du quartier. C'est-à-dire, on ne peut pas détruire ça, c'est le lieu d'origine du cinéma. Voilà. C'est donc pas tous les jours qu'on peut dire qu'on a été dirigé par Tarantino ou Scorsese, ouais, ou Jane Fonda. On se retrouve avec une filmographie qui est exceptionnelle en quelques minutes. Franchement, imbattable, ouais, Christelle. Même si, effectivement, le cadre est un peu contraint. Mais c'est comme ça que, lors d'un machon organisé par Thierry, vous êtes retrouvé à manger des tripes avec Tarantino. Avec Tarantino. Avec Vincent, là, donc, qui était là aussi. Et Tarantino avait dit, c'est bon, mais c'est quoi? Et sur un gratin de tripes à 8h30 du matin, on peut se poser la question. C'est bon, mais c'est quoi? Le prochain Festival Lumière, c'est du 15 au 23 octobre et ce sera Tim Burton qui réalisera la sortie d'usine avant de manger, de participer au machon. Absolument. Traditionnel. On ne peut pas y couper. Hein. Tim Burton est prévenu. Non. Mais c'est une belle tradition de se retrouver comme ça à 8h le matin pour un vrai déjeuner. Vous sortez dans un léger état d'ébriété, mais avec un énorme complexe de supériorité sur le reste du monde. Parce que vous avez commencé votre journée par ça. Voilà, du 15 au 23 octobre, évidemment, on y croisera Laurent Gérard. Et on ouvre avec le film de Louis Garrel, L'Innocent, qui est tourné complètement à Lyon. C'est pour nourrir votre émission de mais je vous remercie trucs lyonnais. Oui. James Gray aussi répondra à une masterclass, c'est ça, entre autres. Vous restez avec nous, on va passer à table. Ah. Et c'est un moment important avec Jérôme Bocuse. Mais tout de suite, j'étais à ça, Zoé Bruno. On va aller s'asseoir. J'étais à ça. Je t'ai dit de pas toucher les trucs. Mais ça va, t'arrêtes de m'engueuler. Là, on dirait Marie, l'autre. Ça prend trop pour la chef, celle-là, d'ailleurs. Ah ben, c'est la chef, hein. C'est ta patronne. Pourtant, j'ai essayé de créer un lien, hein. Ah. Alors, t'es prête pour la grande course d'orientation? J'espère que ça va te plaire. Ça se fait vachement aux States, le team building. Ah ben, j'ai jamais fait. Et t'as tout pris? Carte, boussole, papier, jumelle? L'autre, n'importe quoi. Ça va, Christophe Colomb? Non. Moi, c'est bon, j'ai le kit du parfait aventurier. Faut vivre avec son temps, ma vieille. Mais tu lui parles trop mal à ta patronne. Non, pas du tout. C'est très bon enfant. Puis c'est le but du truc, hein, familiariser les rapports. C'est super. Bon, je comprends pas. Quand je fais ça, le nord, c'est par là. Et quand je fais comme ça... Ah là là... Là, le nord, c'est par là. Ça dit n'importe quoi. Ça peut bouger, le nord? Ben non. Bon, écoute, Zoé, on va par là et puis c'est tout, d'accord? On est dans un putain de parc municipal, donc en fait, on peut pas se perdre. Oh là là, dis donc, elle veut pas perdre son autorité, la patronne, hein? C'est elle qui décide si on se perd ou pas. Qu'est-ce que tu peux être agaçante? Ah bon? Non? Puis il faut dire que j'étais quand même la seule à chercher les indices. Il est là! L'indice, là, regarde là-haut! Mais vas-y, bouge-toi, là! Allez, je te porte! Non, t'es trop lourd pour moi. Porte-moi, toi. Attends. Tu veux qu'elle te vire ou quoi? Vas-y, courte échelle! Bon, dépêche-toi! Bah évidemment qu'elle est moins lourde. Oh la vache, mais dépêche-toi! Mais c'est compliqué parce qu'en fait, si je bouge les bras, je tombe en fait! Il y a les mains dans ma bouche! Mais arrête de paniquer, tout me stresse! Elle s'est râpée tout le visage sur le tronc et en tombant, elle s'est fracturée le nez. Super, la team Bluniga, t'as pas viré? Elle a pas le droit, elle m'a dit. Elle m'a déçue. De l'avoir vue si faible, ça m'a rappelé que c'était un être humain. Puis un être humain qui te déteste. Mais qui ne me fait plus peur. J'étais à ça de me rapprocher de ma patronne. Lyon. Christelle, Thierry, Laurent, bienvenue à la table de C'est à vous aux côtés de Jérôme Bocuse. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation parce qu'il est impossible de parler de Lyon sans parler de Paul Bocuse qui a fait rayonner la gastronomie française partout dans le monde, l'un des plus grands chefs du XXe siècle. Et puis on parle dans un instant de Léon de Lyon. Voilà, que vous reprenez ensemble, vous faites revivre cette institution qui date de 1903. 4. Voilà, et que là où a été inventée la cervelle de Canu, voilà, le chef Paul Lacombe. Oh, j'ai bossé comme une dingue. Je suis impressionné, hein. Vous avez envie de venir manger à l'œil. Hein. Mais c'est pas gagné, là. Faut que j'en fasse un peu. C'est gagné, c'est fait. Mais je vous présente notre chef à nous, Louis Amène. Bonsoir. Chef propriétaire du Momen. Alors Louis, quand même, honneur à Lyon avec un pâté en croûte. Voilà, tout à fait. Donc un pâté en croûte avec lequel on a fait une petite salade, un chutney de quiche.
c'est la saison, et quelques pickles. C'est, les, c'est la voilà. Maison Véro, Saint-Etienne. Ouais, c'est pas... Oui, oui, voilà. J'ai voulu parler de Saint-Etienne parce que mon fils m'a dit, si tu reçois Thierry Frémaux, parle-lui de Saint-Etienne, ça va l'énerver. Mais parce non, qu'évidemment, parce que à cause de... oui. Des verres, voilà. Non, mais j'ai fait mon coming out et j'ai dit que je les aimais beaucoup. Ils sont en deuxième division. Oui, bah, tu peux te permettre. Non, c'est triste. Ça nous est 6 points, mais... Bon appétit. Merci, Charlie, pour cette semaine. Et nous, on dit, Thierry, on dit... Jérôme, on dit pâté croûte, nous. Nous, on dit pâté croûte. On dit. Ah, vous dites pas pâté en croûte, pâté croûte. Il est très bon, hein, et voilà. Ben, on s'y connaît. Ben, bon pâté croûte à tous. C'est tombé mon... Donc, vous êtes là, le nouveau duo à la manœuvre du restaurant Léon de Lyon. Camille Schmitt et Louis Amar étaient à la réouverture mardi dernier. Ils sont revenus aussi avec un petit sentiment de supériorité, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une maison mythique. Il faut que cette maison ait encore de belles années à vivre. Vous voulez faire le tour ? Il ne faut pas oublier que ça a failli devenir un Carrefour Market hein, ici. Donc on a sauvé aussi eh ben, un lieu, une maison mythique. C'est la salle des bas de plafond. Ça, c'était la salle du G7. Quand le G7 est venu à Lyon. Tous les chefs d'État étaient là. Pour une cave qui résiste. Et c'est ici qu'on rêve de se renfermer. La plus rare qu'on trouve ici. Il y a des pétrus, là, de... je sais plus quelle année, mais il y en a qui sont en temps de boire, donc on va s'y atteler. Qu'est-ce qu'on boit ? Ah, ce que vous voulez. Normalement, c'est le petit blanc à ce tour-ci. Ici, c'est pas de la cuisine moléculaire, hein, ça, c'est pas de la cuisine où on vient manger de la fumée. Donc voilà, c'est de la vraie cuisine. Il y a bien le choix, il y a aussi on fait de la salade lyonnaise, un cake aux oreilles de cochon. Salade de pied de veau à Jean Vignard, bien vinaigrée. Et la cervelle de canut qui a été inventée ici. Pour le menu du jour, on aura le 2000 Saint-Marcin à Damien Richard et pas le Saint-Marcin entier. Mais ça c'est votre côté épicurien ça. Ça va goûter dans l'assiette, ça va goûter dans la casserole. Ah ouais, c'est bon. Ça va goûter dans l'assiette, ça va goûter dans la... Il est là en cuisine tout le temps à surveiller, au brief et tout. Ah bah là, il a pas qu'il se croit, je sais pas s'il dormait pas là-bas. Donc, il était tout le temps plaisir, là. C'est mon plaisir. Et travailler surtout avec des équipes de professionnels et autant motivés qui ont un vrai goût de la tradition. Oui, c'est pas de la cuisine moléculaire, disait Jérôme. Non, c'est pas ça. Non, on est sur la vraie cuisine, comme mon père l'aimait, sur le produit. Mon père disait toujours, la cuisine, voilà, il y a des os, il y a des arêtes. Voilà, le respect du produit, et voilà, c'est ce qu'on va essayer de continuer de faire avec ce magnifique garde-manger qu'on a autour de Lyon, de notre région. Si vous aimez autant la gastronomie, Laurent, c'est parce que ça ressemble un peu à la scène, quoi, la cuisine. La scène, c'est le partage. Il y a beaucoup de points communs, bien sûr, c'est donner du plaisir. D'ailleurs, il y a un piano. Il y a une mandoline. Il y a un chef d'orchestre. Il y a un chef d'orchestre. Parce que ça se finit souvent en chant, hein, nous disait Christelle, les dîners là, entre amis à Lyon. C'est vrai, Christelle ? Oui, ils font souvent un concours de chansons, de répliques de cinéma aussi. Donc à un moment, moi je les laisse. Et puis, ils se débrouillent entre eux. Mais il y a une vraie tradition, je le dis en présence de Jérôme, et de ce que représentait son père, c'est que les chefs entre eux s'estiment, les chefs entre eux se reçoivent, les chefs entre eux sont heureux de faire plaisir. Et c'est assez rare dans une profession d'avoir ça. Et là, je retrouve des sourires, je retrouve des gens du quartier qui reviennent, qui ont, et avec, comme le disait à juste titre Jérôme, une assiette généreuse. Généreuse et donc pas du tout allégée, avec pour base du beurre, la crème. Et de la crème, archive de Paul Bocuse en 1976. En France, passer du beurre et de la crème, c'est impossible, parce que qu'est-ce qui a fait la renommée de la cuisine française ? C'est finalement tous nos crus de beurre, tous nos crus de crème. D'ailleurs, vous voyez, là, ce matin, on fait un peu de cuisine, tiens, passe-moi de la crème. Et sans crème, c'est pas possible de travailler. Comme on dit à Lyon, tous nos plats, ils sont gourmands de crème, ils sont gourmands de beurre. Hein. Vous voyez, 5 litres de crème, ça dure pas longtemps chez nous. On passe une moyenne dans notre restaurant de 200 grammes de crème par client. 200 grammes de crème par client. Voilà, c'est la cuisine que vous essayez de perpétuer. Hein, ouais. C'est ça. On allège un peu parfois, mais bon. Hein? Parfois, c'est-à-dire. On peut avoir des plats un peu plus légers, mais c'est vrai que moi, c'était ça. Ma grand-mère, on soulevait la galetouse, il y avait de la crème et du beurre. Hein.
Elles étaient des grandes cuisinières, vos grands-mères. Et votre plat préféré, c'est le poulet Célestine? Non, le poulet, c'est joli l'histoire du poulet Célestine. C'est quoi l'histoire du poulet Célestine? C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre un chef et sa patronne. Et un jour, il lui a fait une recette. Elle est retombée dans ses bras et elle s'appelait Célestine. Et il a dit, bah voilà, ça sera le poulet Célestine, ce qui est une sorte de poulet basquaise, hein, ce giron, sans poivron. Sans poivron. Mais avec un truc qui fait la petite touche finale, c'est qu'il y a une persillade à la fin. Et c'est pour ça que Célestine s'appelle Célestine, Christelle? Ah non, pas à cause du poulet non plus. Quoique, elle va très très bientôt en manger. Hein, et... Ah oui, ouais. Elle va très bientôt manger du poulet Célestine. Je ne sais plus où j'en suis, voilà. Laurent. J'ai une question essentielle. C'est vrai que vous choisissez vos salles de spectacle en fonction des restaurants aux alentours, comme le faisait un certain Claude Chabrol sur ses tournages? Absolument, c'est vrai. Oui, oui, les tournées, on sait maintenant. Et puis, ça fait 30 ans que je tourne, donc on a des réseaux. On a des amis. Le problème, c'est effectivement, ça a été les 35 heures, le personnel, parce qu'il faut embaucher des gens un peu plus tard. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux connaître les villes où on va. Et c'est là-bas que vous écrivez vos chroniques pour RTL, à table? Oh, il y a des choses qui arrivent. Le dimanche soir, quand on se retrouve avec les auteurs, oui. Mais les grandes décisions se prennent à table, hein, généralement. Hein. D'ailleurs, je pense, c'est un scoop, que mon prochain spectacle, le décor, ça sera dans un restaurant. Oh. Et c'est grâce à... Pardon? Non, j'ai le Léon de Lyon reconstitué un peu sur scène. Oui, parce qu'il y a plein de choses. Il peut y avoir une télévision, il peut y avoir de la musique, il peut y avoir un orchestre, il peut y avoir... Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans un restaurant. Et après, sans modération, table. Laurent Gérard passe à table, ça peut être sympa. Laurent Gérard passe à table, exactement. Et le dernier fou rire, Laurent, sur RTL, c'était un passage d'antenne avec Julien Courbet, un peu chaotique, avec la voix de Patrick Sébastien. Tu sais, mon Julien, t'es comme moi, t'es un humaniste. Tu donnes du bonheur dans ton émission et tes émissions, elles font du bien. Alors, attends, j'ai quand même un problème. Dans mon plus grand cabaret du monde, j'ai un dégât des eaux. Ah? Ouais, ouais. C'est ma femme Fontaine. Est-ce que... Alors là, laisse enchaîner. Hein. Est-ce que j'aurais dû la faire assurer? Parce que, tu sais, une femme Fontaine, ça peut vous arriver. Il s'en est parmi, Julien, pardon. Julien, on a débuté ensemble chez Jacques Martin, justement, parce qu'on l'évoquait. Vous vous êtes déjà dit, je vais trop loin? Vous vous êtes déjà auto-censuré? 1m50? Non, la seule limite, c'est que ce soit drôle. Même parfois, Christelle me dit, t'es sûr de... Vous allez loin quand même. Je dis, ouais, mais on se marre. Vous savez, c'est le sourire. Il faut faire les choses avec le sourire. Et quand on parlait de la restauration, avec Jérôme, avec toute son équipe, que je salue, je sais qu'il nous regarde ce soir, au lieu d'être en cuisine. J'entends toujours le sourire, on accueille bien le client, on est heureux d'être là et on est heureux de faire son métier. Moi, ça fait des années que je suis heureux de faire mon métier. J'apprends énormément de choses à leur côté. C'est très, très émouvant d'être associé à un nom comme le nom de Bocuse, vous savez, c'est pas... Bah ouais. Léon de Lyon s'est réouvert depuis mardi avec Laurent Gérard et Jérôme Bocuse aux commandes, voilà, les deux boss. Le gala de la Fondation Recherche Alzheimer, ce sera le lundi 14 novembre au Théâtre des Célestins de Lyon. Et puis, si nous avions su que nous l'aimions tant, nous l'aurions aimé davantage. C'est le titre de l'année. C'est signé Thierry Frémaux et c'est paru mercredi aux éditions Grasset. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. On conclut par Bertrand Chamerois, qui est niçois. Oui, mais qui aime beaucoup Lyon. Et qui le prouve immédiatement. C'est un peu plus au sud de Lyon. Bonsoir à la une de ce 30 septembre. Ça y est, 72 heures se sont écoulées depuis la photo de Bruno Le Maire en col roulé. En 3 jours, nous avons débattu col roulé, doudoune, pilou-pilou et sèche-linge. Je pense qu'on peut officiellement décréter qu'on passe à autre chose. Il mettra désormais un col roulé, non plus une cravate, pour s'adapter à un thermomètre un peu plus bas dans les pièces chauffées. Non mais c'est pas ça la question. La sobriété, c'est être attentif à la planète et à notre pouvoir d'achat. Donc oui, mettre une doudoune sans manche, mais c'est pas ça la vraie question. Ah, enfin, ça y est, même les invités politiques en ont marre de la séquence col roulé. Chaque petit geste compte, c'est oui. Enfin, en ce moment, on dort avec un pyjama plus chaud qu'il y a 15 jours. Ah bah non. Après le col roulé, la doudoune et le sèche-linge, le pyjama du ministre du Logement, Olivier Klein. Restez avec nous lundi, Jacqueline Gourault nous parlera de ses charentaises.
Dans le reste de l'actualité ce matin, Emmanuel Macron était à Pau pour inaugurer le nouveau centre culturel de la ville, le Foirail. Le président qui nous a proposé un discours tout en douceur, en ASMR, pour prendre soin de vos oreilles. La culture, elle, c'est ce qui rend possible. Et leur permettre d'être libres. C'est ça, la France. C'est ça, la France. Et maintenant, je vais faire plein de bruits réconfortants pour vos oreilles. Abonnez-vous à ma chaîne. Était également présent à cette inauguration François Bayrou, pardon, oui, j'ai pas fait de sas. François Bayrou, maire de la ville et champion des faillots. Ah bah oui. Ils n'ont oublié qu'une chose, c'est le siège du président de la République. Non, mais sans blague, ils n'ont pas prévu de siège. Mais ça va très bien. Ah oui. Non, mais sans blague, ils n'ont pas prévu de siège. Oui. Alors, vous l'avez peut-être vu sur les images, il y avait un orchestre en arrière-plan. Oui. Le discours de Bayrou nous a permis de lever un mystère. Comment applaudit-on quand on est violoniste? Je vous propose d'applaudir parce qu'il a été là tous les jours. Ben oui, on fait comme on peut. On fait comme on peut, évidemment. Laurent, vous êtes un pro l'imitation, mais je vous préviens, vous avez de la concurrence. Ce matin, François Bayrou a imité Jean-Claude Van Damme, du moins dans le propos. Une chanson. J'ai une chanson, vous avez une chanson. On échange. Et à la sortie de l'échange, vous avez deux chansons et j'ai deux chansons. Ok, t'as une chanson, j'ai une chanson. Ok, d'accord, on échange. T'en as deux, j'en ai deux, parce qu'un plus un, ça fait quatre. Ok, j'adore l'eau. C'est ben, François Van Damme. Et puis, cette information, ils sont plusieurs dans la tête de Gérard Larcher, car il est le seul homme à passer du fou rire, le seul homme à être capable à passer du fou rire à la gravité la plus totale en une seconde. Le Sénat ne peut pas être dissolu, mais cela... Dissolu peut-être, mais dissous, non. Dissous, non, exactement. Vous ne pouvez pas être dissous, vous n'avez donc d'ailleurs pas les moyens de faire une motion de censure. En revanche, c'est aussi quand même dans la manche d'Emmanuel Macron. Ah, le mot motion de censure, là je vais Gérard Larcher. Qui devrait définitivement arrêter d'accepter les interviews matinales, car une fois de plus, il n'a pas vu la tête de la personne qu'il interviewait. C'est pas à tous les cas, nous avons fait un large tour d'horizon qui prenne en compte ceux qui ont commencé à travailler à moins de 20 ans. C'est à l'euro près, vous vous dites, Emmanuel Macron hier. J'ai eu le sentiment qu'il m'écoutait. Arrêtez. Il sortait du machon. C'est ça. Forcément. Politique, toujours, si vous souhaitez adhérer à Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour, réfléchissez bien avant, car ça peut changer une vie. Une fois que mon nom a été publié dans la presse en tant que responsable de circonscription, il y a plusieurs collègues qui ne voulaient plus me dire bonjour. Une madame n'a adressé plus la parole. Il y avait aussi une boucle WhatsApp de mon école, donc là j'ai été exclu. Je n'ai pas été invité aux deux derniers repas. Ouais, on m'a retiré ma licence de squash, je ne suis plus invité aux anniversaires et j'ai chopé un ongle incarné. Enfin bref, c'est un enfer. Zemmour était en Alsace pour présenter son plan pour l'école, avec dans le public une présence qui ravira les fans du SAV d'Omar et Fred. Bonjour Monsieur Zemmour, je ne sais pas si vous me voyez. Si, je vous vois en rouge. Bleu, blanc, rouge. Ah, très bien. C'est moi, François le Français. Bleu, blanc, rouge. Je suis Focal le Français. Bleu, blanc, rouge. C'est moi, François le Français. Il y avait François le Français dans le public, Éric Zemmour qui a été victime, et c'est dégueulasse, d'espionnage industriel. Je soupçonne le RN d'avoir missionné l'un des leurs pour piquer ses idées, mais il était là incognito. Mais que raconte-t-il dans cette conférence? Intéressant ses propos sur l'école. Je le note et je m'en vais de ce pas tout répéter à Marine Le Pen, ni vu ni connu. Et au cours de cette rencontre, les militants étaient invités à proposer leurs idées pour l'école de demain que certains ont confondu avec une réunion de la salle de sport Basic Fit. Ma question, je passe un peu du coq à l'âne, mais en plus de la pousse à l'école, est-ce qu'on pourrait pas faire une centaine de pompes chaque matin? Bah ouais, 100 pompes au CE2. Allez Mathéo, tu gagnes Mathéo, et tu enchaînes avec une série de 50 squats et des développés couchés. Sinon t'es au coin. Revenons à Lyon. On l'a vu il y a quelques instants, vous avez fait découvrir Léon de Lyon à nos reporters, Camille Schmitt et Louis Amar. Louis Amar, un journaliste qui prend vraiment ses missions très à cœur. Il a vraiment tout donné. En même temps, il ne s'est pas fait prier. À la vôtre. Non, un petit blanc. On va faire deux petits coups de blanc. À la vôtre. On aime la, comme on dit chez nous, on aime la bonne bouffe.
Et voilà, résultat après 5 litres de vin. This is the end. Voilà, si vous avez un foie en trop, envoyez-le à C'est à vous, à vous de Breteuil, CEDEX 12. Merci d'avance. Il s'en souvient encore. Nous sommes vendredi. C'est l'heure de quoi ? Moi aussi, c'est l'heure du récap. Oui, du bilan désastreux de cette semaine. Encore, allez, on se met en warning sur la bande d'arrêt du genre, d'urgence. Encore une belle semaine pour C'est à vous. Festival du film francophone de La Rochelle. D'Angoulême. D'Angoulême. La question du boycott ou non du mondial. Le gala qui oppose. Et une patte technique, et une panne technique. Pour ceux qui se demandent, ils sont nombreux, un boycott, c'est une bouillotte qu'on ne veut pas acquérir. Il n'y a pas que moi qui savonne, c'est pas possible. Non, non, t'inquiète pas. D'accord. Toute la semaine, c'est Louis Amen qui nous a régalé. Louis, avec qui vous avez noué une certaine complicité au cours de la semaine? Avec Pierre, Patrick, Mohamed, Mathieu, Louis moi-même. Non, Louis Amen. Sur les assiettes pour ce vous. Ce sera un peu sucré-salé, quoi. Non, pas tout à fait, un peu plus sur l'acide. Ah bon. Mais avec des joues de bœuf panées. Joues de cochon, pardon. Voilà. Et on sent que la cuisine, c'est vraiment votre truc. Hein, tellement que cette semaine, vous avez créé, c'est une première en France, le premier crossover entre BFM TV et Cuisine TV. Les cassolettes de Louis sont arrivées, ainsi que Bertrand Chamerois. Donc, priorité au CEP. Priorité au CEP, on se rend tout de suite près du piano où elles sont en train, où ils sont en train de cuire. Et cette semaine, Babette, vous avez pu compter, comme chaque semaine, une fois de plus, sur le soutien indéfectible de Patrick, qui a vraiment franchi un pas dans la perfidie, puisque maintenant, il anticipe les bourdes et s'en délecte. Non, mais non. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Mathieu, Mohamed, Pierre, Patrick et le coin cuisson, voilà. Le point. Vous savez, hein. rigole. Habituellement, c'est le 17 mars, mais ce soir, on bouscule même les habitudes. Aujourd'hui, 30 septembre, c'est la Saint-Patrick. Oui, ça va être ta fête. On aurait pu faire un prime entier de ta semaine placée sous le signe de la jovialité. Évoquant le match de foot des parlementaires, Babette, imaginez à quel poste pourraient jouer les chroniqueurs. Je vous laisse deviner qui était très pressé de faire son édito. Pierre en défense. Volontiers. Patrick dans les Gaules. Oh, je veux dire. Bonsoir, Mamette. J'ai dit bonsoir. Ouais. D'accord. Bonsoir, Mamette. Je n'ai pas envie de rire ce soir. Et vendredi dernier, à votre place, Baptiste Le Caplain, qui a vu sa vie défiler pendant une question de Patrick. C'est vrai? Ah bon, parce que votre nouveau spectacle parle de ça aussi, pour votre projet. Oui, oui. Voilà. Donc si vous avez la fin de la question de Patrick, vous l'envoyez à la même adresse que le foie de Louis Amar, CEDEX 12. Merci Patrick, qui de temps à autre aime se lancer des défis. Ah oui. Je vais vous résumer le projet de budget 2023 en 2-2. Voilà, en 2-2, en 2 spi, comme on dit chez les jeunes. Enfin, en 2-2, faut le dire vite. Hein. Oui. Où est l'effort de maîtrise, ou alors un effort qui ressemble qui est exactement la même chose. Pardon, je me suis lancé dans un truc compliqué qui ressemble à l'instrument de Bertrand Charmeton. Parce que l'instrument de Bertrand Charmeton est à l'accordéon, c'est-à-dire pas une réalité. Bertrand Charmeton, enchanté. Ça nous fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Après tout, allez, encore une bonne Saint-Patrick. C'est Charmeton et l'accordéon. Mais oui, allez, bonne Saint-Patrick. Bravo, Bertrand Charmeton, les activités, c'est tous les vendredis, tous les jours, donc c'est à vous. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Vive Lyon. Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Vous êtes à table. Ah oui. Pardon. J'étais un peu trop enthousiaste. Ah oui. Avec plaisir. Merci bien à tous les quatre. Si vous, tout de suite sur France 5, c'est du cinéma, Raison et Sentiment. C'est un très bon film avec Emma Thompson, Kate Winslet. J'ai fait une Patrick Cohen à mettre des E entre chaque mot. Et si vous voulez bien vous tourner vers David pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs, bon week-end, demain à Libadou, nous on se retrouve lundi 19h en direct. Je vous embrasse. Bisous, ciao, bye. Un choix pour moi aussi, je crois.